Hey, salut les gens, c'est Slan, on se retrouve sur le Super Multi avec Bruda, Fangestar et Ardarin, le Seigneur Noir en vrai joueur. Allez, on repart! Ciao, ciao tout le Salut, monde! salut! Ouh. Ah non, c'était pas ça. Bruda qui n'était pas là dans l'épisode précédent, donc on retrouve avec Mais si! plaisir! Ah bon? Mais je vous ai parlé, moi! Tu te souviens, il Sire! s'offusquait de la vassalisation de la Castille! Ah Oui, oui, c'est ça, il était là au rappelle-toi! début! Ah, tout de suite! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre, quoi! Ils sont Attendez, vilains, attendez, ils sont attendez, parce vilains. que j'ai une quoi qui se redéclenche. Donc faut que j'attaque. Qui et quoi et quand et comment, je sais pas, mais faut que j'attaque. Ah, très bien ça. Non, ça c'est la quoi. Ouais, mais il est tout seul dans la Oh quoi. là là, ces gens ne m'aiment pas, Quoi par de 1? côté. C'est une quoi de 1, ouais. Le mec il est dans la quoi de 1. Du coup que je le coche. Voilà, c'est une quoi de 2 en fait. Lui et la Perse, mais la Perse c'est une monoprovince, donc du coup, Il m'en faudra comment dire? quelques-uns de plus, mais on s'en mettra. On va lancer quelques trucs comme ça. Voilà. Bon, j'aimerais bien que l'absolutisme ça monte. Et pourquoi il ferait ça? Est-ce que tu fais des choses pour que ça C'est monte? long. Ah oui, j'en fais, je gagne plus 2 par mois. Oh! Enfin, par an, par an, pardon. Parce que plus de par mois, ça ferait beaucoup. Ouais, c'était pas mal, hein. Mais j'étais ouf. Ouais, De par mois, Bah, GG, hein. je suis à 1,50 par an, pas si mal. Moi, je trouve que l'absolutisme, c'est de la merde et que ça sert à rien, j'en veux pas. En même temps, tu peux monter à combien? 12. Je suis capé depuis 3 siècles. J'ai pas éclaté de rire, je te promets. Je te promets, je me suis pas mouillé. Je suis à 16 sur 50. Mais je dois Tiens. pouvoir monter à 60, j'ai un truc à changer. Je viens Peut-être de même stack wipe... Je 70. viens de stack wiper les armées de Multan. Multan. Ça y est, t'es en train de taper Multan. Ça y est, je peux monter à 70. Je suis pas une lopette, hein. Ah, on va enfin pouvoir faire la guerre au Congo. Compagnie florissante. Allez, c'est parti. Ah, Pourquoi je on fais pas aura de un sous diplomate. là? Tascane, il veut passer. Oh! Il me propose des sous. C'est rigolo. J'ai failli dire oui. Ah, la fédération s'est retirée de la coalition. C'est le moment de la défoncer. La fédération de quoi? Fédération des Asinaï. Ah bah voilà, il y avait 70 000 hommes, maintenant il n'y en a plus que 34. Ah, Karakoyunlu a 66 000 hommes sur la Perse. Bien ça c'est joué! parti. Ça fait un peu chier ça, mais. J'arrive pas à Est-ce comprendre. que on peut la prendre? Ouais, avec quoi? Ah mais les autres qui devaient venir, ils sont pas venus? Ils se sont débinés? C'est vraiment des lopettes, hein. D'accord. Il y avait plus de monde dans ma guerre. Il y avait normalement, il y avait Sine des, je sais plus qui. Apparemment pas. La déception d'un homme, quoi. Bah oui. Quand même. Attendez, mais où est Londres? Du coup, j'ai C'est un Londres? théâtre de guerre qui fait genre 8 provinces sur 8 provinces, quoi. C'est tout nul, hein? J'ai l'impression de jouer en 1444. Ah, c'est Middlesex. Du Biddle. Middlesex. Middlesex, c'est le nouveau nom de Londres. Ouais, quand même. Autriche n'est plus une grande puissance. Oh, ça fait mal, ça. Sa guerre se passe mollement, hein. Alors, je peux lancer l'assaut. Ah oui, je peux lancer l'assaut parce que j'avais fait une brèche moi-même comme un grand d'abord. Voilà, Ok. ça c'est fait, on dépense du Offre de point. paix d'Yarkand. Pas encore, pas encore. Attends que j'ai fini de massacrer tes copains. S'il vous Ici, plaît, on aura faites la bientôt queue. une flotte correspondante à nos ambitions. Ouch. Et de l'ambition, il en a. Oh oui. D'ailleurs, Allez, donc qui si raye le parquet? je fais ça et que je prends ça, je vais gagner quelques mois. Le chêne est en guerre. Ah non. Oh, c'est pas mal. Bien. Ce serait mieux de prendre ça, bien sûr.
casus. Pour moi, le même look, la prochaine guerre, je vais pas les courir après. Ah oui, d'accord, t'es en guerre avec des trucs un peu loin, mais à la limite, ça pourrait être intéressant. Ouais. Pof, pof, pof. Ouais. Éventuellement supprimer ce le fort. Le problème en fait, c'est que ça, on est d'accord que c'est le Mexique. Hein. Ouais, c'est le Mexique. Ça va clasher là-haut. Non, non, je fais plein d'efforts pour ne pas le prendre de trucs dans le Mexique, justement. Oui. On a senti tes efforts tout au long de la partie. Pareil sur les Caraïbes. Surtout sur les Caraïbes. Oh là là, non mais ça y est, les vieux dossiers quoi. Allez mec, tu fais une erreur, 500 ans après, ils en parlent encore, on dirait les nobles suédois. Et après, quoi. Ça se permet de venir planter un drapeau sur Venise. Tu sais, c'est comme franchement, ce que je te disais à propos de Katox, tu vois, il a fait une boulette une fois, je lui en parle encore des années après. Et on peut faire une boulette une fois, mais pas 1000 boulettes 1000 fois. Ah bah ça... Lui, il veut pas me filer l'accès militaire ? Non. Je peux te le filer, ouais. Moi, si tu veux l'accès militaire. Pourquoi tu bouges pas, toi ? Je m'en fous de mon accès militaire. Mais il me faut un casier. Où j'arrive à accéder à la Bourgogne. Occupe-toi de je ça. Je te donne l'accès militaire si tu veux, mais il me faut un casus belli pour ça. Ah oui, t'es toujours pas détenteur de la foi ? Ah bah non, j'ai toujours pas baissé de prestige. Pourquoi je perds pas de prestige ? C'est pas normal. Terrible. Ah, c'est normal. Occupe de ça. C'est parti. École vénitienne, mausolée des Carnages, ville sainte de Jérusalem, palais des Doges, palais royal de Caserte. D'accord, ouais. Trop de bâtiments quoi. Recrue suédoise, vitesse de recouvrement des réserves militaires 35%. L'efficacité administrative m'a l'air plus fort quand même. Hein. Hop, prends ça pour l'instant. Ah, ils sont pas cochés. Quand tu coches une koa, ils sont considérés comme pas cochés quand même. Bon, de pas pour cocher. Les... Ils sont pas cochés. Bah, ils sont là, pas pour cochés les... ceux-là. Ouais. Pour et... les conquêtes. Ouais, pour la paix, ouais. Ouais. Ils sont pas co-belligérants. Du coup, je peux rien faire. Putain, Verden, qu'est-ce qu'il est gentil comme vassal quoi. Il envoie son armée de l'autre côté de l'Atlantique, 4 mecs par 4 mecs pour m'aider. Youpi ! Il tombe sur 50 000 indiens à chaque fois. Ouais, c'est un peu ça, je crois. À la fin, il se fait stack wipe quoi. Oh. Ok, donc ça va se faire tout seul, pas de soucis. Vous. C'est pas le moment de vous relâcher, toi tu vas reculer là-bas par contre. Bon, bah on peut peut-être faire la paix contre Farce là pour Le Pen. Ah bah non, parce que sans il veut pas. Ouais, bon. C'est une fichue guerre pour 4 provinces que je viens de faire. Je suis tellement content de l'avoir lancé. Relation diplomatique moins 1, on s'en fout totalement. Je peux peut-être prendre plus de trucs si je fais comme ça. C'est pas quoi en foutre de nos relations diplomatiques, donc comme ça. Presque. Moi je suis à 5 pour 4. Je suis à 5 sur 7, et il y a peu j'étais à 5 sur 8. Moi j'ai pas de relations diplomatiques avec les gens, parce que ça me saoule. Parce que c'est tous exactement des cons. Ce que je dis dans la vie. C'est tous... Mais attends, je suis en guerre contre Hadramout ? Je comprends rien. Ça devait être une guerre que je voulais déclencher. Alors. Reviens-toi. Je suis en guerre contre ces gens ? Bon, c'est sûrement parce que je voulais le faire. Ouais, ça doit être un truc dans ce genre-là, parce que là... La Corée pas. Se prépare à attaquer le Japon. Ah ouais, la vache, elle est énervée la Corée. Hein. Effectivement. Bah, elle a déjà bouffé ouais, une bonne partie du Japon. Ah, est-ce que l'Autriche serait redevenue une grande puissance ? Aurait-elle bouffé un peu de la Bavière ? Elle est 7ème, ouais. Ouais, oups. Elle a l'air d'avoir pris deux provinces. Trop tôt. Bon, bah c'est la vie, maintenant c'est fait. On va vivre avec notre trop tôt. Hop là. Mais c'est dingue tous ces gens qui meurent. C'est
Quoi ces trêves rompues là? Allez, pareil, j'ai beaucoup trop de gens qui meurent. Kilua, Adramout, Kilua, Yémen. Alors, Adramout, c'est toi. Yémen, c'est toi. Kilua, c'est toi. C'est, vous êtes combien? Mais vous êtes pas? Ah, ils sont pas. Le Portugal, il vient dans la guerre contre Kilua ou pas? Bah, je suis au Congo en train de faire la guerre, donc ouais, je peux venir. Hein. Je l'ai coché du coup. Et j'ai rien à lui prendre. Le mec qui a l'air blasé okay. À mort, quoi. Ouais, bon. Je m'ennuie, les chiants, ce let's play, puis les gens ils sont pas gentils. Non, je fais la guerre en même temps, c'est tout. Bravo. J'applaudis. Je suis au Congo, alors bon, je peux faire un crochet si tu veux par ton théâtre de guerre. Ouais, ah, de toute façon, pour aller au Kilwa, faut que je sois au Congo avant, en limite, ou alors que j'emmène tout par bateau, donc. Voilà. Je viendrai montrer mes nouveaux uniformes. Maintenant que j'ai passé la tech militaire 15, je peux me permettre. Il vient juste de passer la 12. Et oh, je suis à la limite de la 18 alors. Peut-être médisant. C'est exactement ce qu'on voulait dire. c'est la tech admin où je suis à la ramasse. C'est vrai que 14 ça pique un peu. Ouais. On va pas se mentir. Ah bah plein de trucs à légitimer. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tellement gros, c'est incroyable. Ah bah en surface, le Portugal il est pas mal, ouais. Ah oui, c'est quand même un beau pays le Portugal. Là. Bon, allez, faudrait que j'envoie des trucs. Après, il y en a qui trichent. Il y en a qui trichent, ils font des grandes bandes d'ouest en est et après ils disent regardez, je suis énorme, je vais de là à là. Il n'y a qu'une province à chaque fois. Regardez, j'ai pris toute la Sibérie. Je suis un super colonisateur. Qui fait ça, franchement? On se le demande, ouais. Allez, tech 18 en militaire. Deux, oh 3. Impressionnable. Ah là 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 là, c'est en beau, c'est beau, c'est beau. Ouais, bon, du coup, on valide la 22. Hein. Quoi? Moi, je suis déjà à la 45. Ah oui, oui. C'est vrai. La grande inondation. Oh, wow, c'est quoi ce truc à la con? Gagne 100 de dévastation sur deux provinces. Bah oui, c'est de C'est ce qu'ils viennent de te dire, une grande inondation. Den Andenster Mendruking. Bon bah. Et ça à Kiel. Rip les gens, j'ai envie de dire. Bien, bien, bien. Bon, ici, il va nous falloir. Ah, il y a des rebelles là-bas. Rapidement, du coup, on va prendre ça. Ça doit être les Ottomans là. Et ça doit être les Mamelouks, c'est l'inverse. Non, c'est... On va savoir. Est-ce que j'ai validé des trucs là et je suis tombé en dessous? Bah non, je suis à 101%. Allez, allez, allez. La France, elle n'arrive pas à se débarrasser du Pays-Bas. Merde. Mince, tu voulais dire. Bon, merde. Oh. J'assume. Modif de production plus 10. Ça, c'est le bon truc qu'on aime bien. Alors, si on fait une paix. Faut jamais faire la paix. Y'a que la guerre qui est vraie. Qu'est-ce qu'ils font? Qui vont? Ok. Alors. Je prends, excuse-moi, mais pas moyen que tu viennes. Prendre des provinces comme un gros sac. Il vient là, Karakoyunou. Mais il se déplace comment, lui? Il a des chameaux. C'est pas normal tout ça. Non, on fout de ça. Oh, mais la France, elle a plus que 16 000 hommes, quoi. C'est quoi ce bordel? Bah elle est sous-occupée, hein. C'est ton vassal où t'as payé 400 000 points de développement pour le maintenir les fidèles? Ouais, ah. C'est ça, j'ai dépensé plein de développement pour le maintenir fidèle à la base. Ouais, il y a des petits malins qui s'amusaient à soutenir dans son indépendance. On se demande qui et pourquoi. Franchement, voilà. Hein. Après, on me ressort des trucs sur
les encore Caraïbes, un vieux tout dossier. Ça. Pff, incroyable, incroyable. Alors que là, je fais hyper attention de pas prendre. Mais c'est vrai que pas prendre des trucs au Mexique, quoi. Les actes qu'il y a eu dans cette plaie, ils étaient issus de la Scandinavie, hein. Pas que, mais oui. Ah là 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 là. Ah, ça c'est chouette, j'ai trouvé un endroit où faire une manufacture. Ça me rappelle le bon vieux temps. Alors qu'en plus, les viewers, ils n'arrêtent pas de me tanner pour que j'aille prendre le Texas, quoi. Mais ils y connaissent rien, tes viewers. Ah bah bravo, bravo, bel état d'esprit. C'est vrai que... N'allez pas voir la vue de Broudaf, hein. De toute façon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, il n'y a que des débriefs. N'allez pas voir le débrief à la fin de cet épisode. J'ai cru qu'il y avait que des débriefs. Et les débriefs, la moitié du débrief, c'est Slan qui se plaint de son fric, quoi. J'ai pas de fric. Mon fric non, non. A baissé. Oui, c'est mais tu l'as dépensé. Oui, mais c'est pas une raison. Ben si. Mais normalement, moi, il y a pendant ce temps-là, je lui mets des baffes au Sean. Et tout se passe bien. Ça y est, t'es parti sur le Sean. Ah ouais. Bah, il est en train de prendre Canton, là. Il est bientôt en train de prendre. T'es parti direct dessus ou parce que t'as attaqué un de ses tributaires, il est venu? Ah, je vais attaquer lui et ensuite je vais attaquer ses tributaires un par un. Pas très sympa. Non, je sais. Mais bon, vous avez l'habitude que je sois une personne de mauvaise vie. Une raclure. Une horde sainte, on a dit. Ah oui, c'est un synonyme, mais... Oui, c'est pareil. Hein. Exactement. Comment ça, des gens synonymes? Oh, on va s'en occuper. Bien, bien, bien. Ah oui, c'est vrai qu'on peut. Et on peut passer. Tutut. Merci. Tant qu'à faire. De l'innovation contre 200 ducats? Bah non. 200 ducats, mais ça représente quoi? Deux jours de revenus? Bah oui. Il va où, lui? 200 ducats, non mais sans déconner. Ah, sérieux? Cacao, vitesse de recouvrement des réserves militaires plus 5, c'est bon ça. Fin du siège de Pékin, ouais. Où tu faisais juste plus 5% de conquête et c'était réglé, quoi. On est à 100 de professionnalisme. C'est beau. T'as plus que moi en professionnalisme, c'est marrant. Bah vu que non. Je fais pas beaucoup de guerre, mais les mecs ont un autre à foutre, donc du coup ils s'entraînent. Ah, avec les 5000, avec les 5000 que, avec ces 7000 que j'ai envoyé, il a fait que des entraînements en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Bah je sais pas, je m'entraîne. C'est pas vrai. J'ai lancé des grands projets, j'ai investi dans des manufactures, j'ai terminé tous les ateliers que j'avais à faire. Ah bah j'en suis très loin là. J'en suis presque à faire des églises, alors. Et Dieu sait que ça ne sert à rien. Alors ça fait gagner 0,13, quoi. Dieu le sait, lui, que ça sert à rien, en tout cas. T'es pas content, toi? Tu veux une baffe? Comment ça se passe? Bien. Ah, j'ai pris le truc, je peux avancer sur Kilwa. Ah, le portugais, ça y est, il est en train de se servir. Pourquoi il prend des trucs? Disons que le Kilwa, il fait mal quand je le tape. Mais pourquoi c'est occupé? Ah, par Marianne, d'accord. Ah, il fait mal? Quoi, le Kilwa, t'arrives pas à l'affronter? Bah, j'ai gagné, mais... il a parce que je te le dis tout de suite, le Kilwa, moi, c'est... Je ferai une paix dès que je pourrai. Ouais, j'ai rien à lui prendre, hein, le Kilwa. Moi, si tu lui as rien pris, je prends rien. T'as des rebelles à droite qui sont en train de se rebeller là. Ton Yao, il va péter. Ouais, mais attends deux secondes. Hein. Déjà, il s'occupe de Kilwa. On peut pas tout faire. Hein. Apparemment, il s'occupe pas de Kilwa là. Il est en train de dessiéger les provinces qu'il s'est fait piquer. Dans quel état il est? Ah oui, 82 000 hommes, mais zéro de réserve. Qui? Le portugais. Non, le portugais. Bah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est quand même compliqué. Hein. T'as un bon prestige, cela dit. Au moins. C'est vrai. Une politique, un peu de culture, une bonne stab.
Il s'emmerde vraiment, le Scandinave, il a vraiment rien à foutre en fait. Il fait le débrief à au bout de 20 minutes. Pour l'instant, le vrai compétiteur, c'est Venise. Hein. Qu'est-ce qu'il a à Venise ? Oh, 246 000 hommes, 300 vaisseaux. Bon, on sait que c'est que du naval d'avenir de commerce de merde, mais quand même. Ah non, 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 non. Je fais une vraie flotte, au cas où je croise un Scandinave sur les mers. Genre, tu vises l'hégémonie navale, c'est ça ? C'est ça. Après avoir perdu lamentablement ton hégémonie économique ? Et je l'ai pas perdu, je l'ai cédé. Je l'ai concédé temporairement. Et je suis très largement capable de la reprendre quand je veux. Tout à fait, quand tu veux. Mais plus tard. Mais pour l'instant, tu veux pas, c'est tout. Là, non, ça me sert à rien. Qu'est-ce que je foutrais d'autonomie, de réserve de mercenaires et de fric supplémentaire ? Je comprends. Bon, alors, bah, je te rappelle, Portugal, que pour la paix, je peux te donner toutes les provinces que tu auras siégées, mais rien d'autre. Là, pour l'instant, j'en ai qu'une. Là, il a dessiégé les autres. Ah non, ça va piquer cette bataille. T'entraînes plus, toi. Entraîne-toi. Bon, je vais peut-être t'envoyer 200 000 hommes, on sait jamais. 200 000 hommes, t'as au cas où, alors. Sinon, je sens que je vais pas pouvoir la finir, cette guerre. Ah, t'as que trop de cavalerie. Bah écoute, on va se servir de cette cavalerie pour faire. Yes, j'ai fait un stack wipe. Ouais, qu'est-ce que tu fais ? Je croyais que ça allait piquer. Bah, parce qu'il arrivait, son deuxième armée est arrivée bien trop tard. Ah oui. Et là, je vais prendre cher, ils sont plus nombreux que moi. Oula, ça bug un peu. Oh, on dirait qu'on gagne. 2, 3, 4, les estimations à la louche de Boudaf. Je vais mourir ! On est pas ils étaient 39 000. 32 000, et alors ? 39 000. Et bah t'en mets 70. Qu'est-ce que tu fais avec un petit bonhomme ? Ah, c'est une armée. C'est que c'est pas simple de se balader tout seul dans la nature, hein, c'est l'Afrique quand même. Punaise. Bah oui. Il est percuté. Ouh la vache, elle a fondu. C'est bon la fondue. C'est bon, c'est vrai, c'est clair. La fondue de soldats, pas vraiment. 22, il y en a combien ? Mais celle-là un peu moins, mais c'est pas grave. Oh ça va. On dépasse 2000 hommes, on peut se permettre. Allez, qu'est-ce qu'il fout Marianne ? Pourquoi il se cache dans les montagnes là ? Va toi, dans on en est où ? 32%, putain, c'est long. Pourquoi le français, il est chez moi ? Qu'est-ce qui vient m'emmerder ? Bah, il vient pour le Congo, je pense, il passe par chez toi. Cette guerre est vraiment trop longue. Si le français est dans la guerre, si le français est sur place, c'est que cette guerre a trop duré. Franchement. Ah oui, il a complètement lâché son pays. Il laisse les Pays-Bas s'amuser. Ouais, il lutte contre la Toscane, les Pays-Bas. Est-ce qu'on est toujours allié avec eux ? Ah oui. Ouais, mais tu pouvais pas dire, j'avais pas coupé. C'est quoi cette guerre contre les Pays-Bas ? T'es dans une autre guerre, toi ? Bah, les Pays-Bas, ils sont alliés au Congo. Ah, c'est intéressant, hein, ce que tu vis. Il y a de ces complications au pays, là. C'est intense, hein. Ah ouais, ouais, non, mais j'avoue. J'aurais presque envie de relancer un truc dans le Saint-Empire, hein, histoire qu'il se passe des choses, quoi. Est-ce qu'on aurait des casus belli quelque part et pas de trêve ? T'as oublié le bâillement ? Y'a un truc avec lequel on a pas de trêve là en frise, c'est l'arme teutonique. Ouais, j'ai envie d'avoir un petit event qui me file plus 20% de morale terrestre. Tiens, Verdun. Ah merde, il est allié aux états pontificaux. Ah non, ils viennent pas. La pontificalité, c'est plus ce que c'était. Ah, le dirigeant pontifical est hostile. Bah ouais. Oh, le méchant. Allez, c'est parti. Pour une fois, on va faire une guerre nous-mêmes. Alors, le Kilua. Demandez la paix au Kilua. Ça, ça, ça. En plus, ça nous permet de péter cette alliance avec le Munster. Ça fait que 4 provinces pour l'instant, hein, Boudaf. Chier le monde. En train de siéger le fort à côté, ouais. Et là, il est 35 000 qui reviennent. Ouais, si tu veux faire la paix au Kilua, ça me va.
J'y prendrai tout plus de suite, une prochaine fois. Ouais, ça me va, ouais. Et ça, tu veux pas les... Ok. Non, non, parce que le fort, je suis à 7%, il y a 36 000 hommes qui reviennent et que moi, mon armée, elle a 17 000. Par contre, du coup... Hop là. Ok, du coup... Oh, il y a du monde. Alors du coup, puis, deux secondes. Hop. Vous... C'est quand même deux provinces de... d'ivoire et deux provinces d'or, c'est déjà pas mal. Hein. Merci. Ça l'entame un peu. C'est pas mal. Bah ouais. Là, pardon. C'est parti. Alors j'étais obligé de mettre sur pause parce qu'effectivement, s'il y avait une armée qui lui tombait dessus... Bon bah du coup, je ramène les 200 000 hommes que je t'avais envoyés pour t'aider. Et tu veux... Ouch. Bah t'as à dire qu'ils étaient là pour t'aider, mais ils étaient pas capables de faire des sièges pour toi. Ah si, ils pouvaient, moi. Alors, Yamen. Tu veux faire la paye, Yamen? Tu veux pas parce que j'ai pas pris ton fort. Zut. Reste là. Du coup, ça va être un petit assaut. Le petit assaut. Alors, en avant. T'es jusqu'où vous? Jusque là. Bon, soucis. La Toscane a fait son taf, elle maintient le Pays-Bas. La Toscane, c'est toujours un allié à toi? Ouais. Va falloir rompre. Mais... Ouais, je me doute, je me doute. Je suis ennuyé. Ah, parce qu'Adramout, il a des terres pas loin. Ah oui, bah c'est excellent. Petite pause, hein, réfléchissons. Adramout, tu vas me donner tes terres pas loin. Il a beaucoup de terres pas loin, Adramout. Allons par là-bas. Où est-ce qu'elles sont les terres d'Adramout? Il y en a pas très loin de mes... Là, je peux la prendre. Voilà. J'irais pas faire trop n'importe quoi, quand même. À force de lui se rendre saisie, là. Bah oui, pour avancer un peu. Même pas, j'en prends qu'une, parce que j'en ai pas besoin de deux. Oui, et il veut pas... Il veut pas du tout, du tout, du tout. Mais c'est pas grave, je vais lui prendre moins de terre. Ouais. Sinon, tu le finis sur sa terre ferme et tu lui laisses ses îles. Il vit dans ses îles. Non, il faut que je lui prenne au moins une île. Hop là. C'est parti. Allez, tu es collé à moi maintenant. Il fallait un petit bout là-bas. Fonder la compagnie des Indes orientales. Yes! 200 ducats. Ok. Bien. Alors hop. Attends, qui c'est qui s'est replié là? Là, apparemment, t'as une trêve qui vient de se terminer. Ok. Ouais, contre l'Espagne, enfin la Castille. Non, la Scandinavie. Ah oui, non, moi c'est dans novembre. Pas loin, donc pas longtemps. Ces gens sont extrêmement désagréables. Voilà, bon, bah, j'ai réussi à supprimer un des pays. Faut pas gagner, tout ça. Bah, j'ai même plus de points. La Perse, elle veut passer? Non, le Ning, il veut passer. Passe le Ning. Ça te fait... C'est un peu loin ta guerre contre la Bourgogne, mais go. J'avais un event, Sophie, 900 balles, j'ai regardé ce que ça disait. Je crois que c'était c'est la porcelaine. Commerçants européens en Chine. Ah, c'était ça que j'ai eu. Cool. Bien. Du coup, on fait quoi? On attaque quelqu'un, j'imagine. Comment prendre ça? On prendra plus tard. Pays-Bas, Kilwa. Alors, Kilwa, j'ai qu'une toute petite trêve avec lui, c'est ça qui est bien. Sind, il est en guerre contre qui? Voilà, on va faire reculer un peu ces gens. Sind, il est en guerre contre Vijayagara. Oh! C'est pas de bol. Si je coche Fars, Delhi, Gujarat, ça fait combien ça? Ça fait un peu quoi. Et si je coche Gujarat, oula, ça faisait Afghanistan, le jaune pomme. Là, ça fait un peu beaucoup. Il y a une différence entre un peu et un peu beaucoup. Une grosse différence ou une petite différence? Il y a une un peu beaucoup de différence. Hein. Une différence notable quoi. Ouais. Ah, je suis encore en guerre contre Farce. C'est rigolo. Reculons un peu. Ordonnance non appliquée. Très bien. Tu veux de l'autonomie? Prends ton autonomie.
T'avances toi. Tu vas où, Palatina? Et c'est la pause. Déjà. Oh là 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 là. Allez voir les autres vues. Au revoir. Ciao, bisous. Lol. Au revoir tout le monde. Bye bye. Bye bye. À plus tout le monde.